Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera rangement, make-up et astuces. Donc je vais vous donner toutes les astuces que j'utilise pour ranger tout mon maquillage. Bon, j'en ai pas beaucoup de maquillage parce que j'ai fait un gros tri de maquillage. Donc du coup j'en ai pas beaucoup, donc vous allez voir ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc alors voici ma coiffeuse, j'essaie de vous la faire en intégralité, voilà pour vous voyez tout. Donc c'est une nouvelle coiffeuse que j'ai, parce qu'en fait cette coiffeuse elle vient de ma mère elle avait, je sais plus depuis quand elle avait, mais je crois depuis Marseille, donc depuis que je suis née je pense, elle avait ça avec le fauteuil, voilà, hop, le fauteuil, bon regardez pas derrière le bordel, voilà moi bon, j'ai mis mon coussin qui normalement, voilà, va comme ça. Mais bon, quand je m'assois, je suis hyper petite. Genre, je ne vois pas niveau... Enfin, même pas ma tête, je la vois. Voilà. Bon, on va passer aux choses. Alors, je vais commencer par là. Donc là, j'ai tout ce qui est palette. Désolée si vous entendez les bruits derrière. Mais évidemment, en fait, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Voilà, ma fenêtre ouverte, en fait. Bon. Donc là, c'est tout ce qui est palette. Oh, ils font du boucan. Donc alors, je vais commencer par là au fond. Donc ça, ça vient de chez Action. Voilà, palette comme ça chez Action. Je sais plus c'est laquelle, celle-là. Ah oui, celle-là, c'est celle pour les lèvres, donc les glosses. Voilà. Mais franchement, bah, désolé du mot, mais j'aime pas du tout. C'est de la... voilà. Parce qu'en fait, genre, c'est vraiment gélatineux. Ça marque pas du tout. Ensuite, il y a celle-là qui vient de chez Action aussi. Donc, c'est brush, highlighter et tout. Voilà. Ensuite, après, ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez Biss. Donc, celle-là, c'est highlighter bronzer. Celle-là de Unicorn. Désolée du bruit. En fait, c'est l'hélicoptère. Parce qu'en fait, chez moi, ils sont en train de tourner... la carte au trésor, donc c'est pour ça que le bordel en fait. Alors celui-là, mat. Une comme je l'ai dit. Berries 2. La nude. Hop, j'ai la nude 4. La pêche 2. Celui-là, il vient de chez Adop, marqué dessus. Ça, c'est une que j'ai commandée chez Wish. Il fait un bout quand même, il fait. Ça, c'est de chez Biss. C'est une nouveauté que j'ai reçue il y a une semaine de ça. Je vous ai pas fait le unboxing parce que ça prenait trop de temps et tout. Mais il sent vraiment la pêche. C'est hyper bon. Ensuite, derrière, j'ai. Voilà. J'ai ma bougie. J'ai des graines de café. Bon. Désolée du bruit. C'est l'hélicoptère, je vous mettrai à la fin. C'est pour la carte au trésor. Voilà. Bon, alors là, donc ce que j'ai mis dans le coin, en fait, comme ça, c'est. Oh, désolé, j'avais oublié de dézoomer. Donc, je vais commencer par là. C'est. Je sais pas si je vous l'ai montré dans une unboxing. C'est le gloss en encre, en fait, qui vient de chez Biss, mais de la gamme hypoallergénique. Celui-là, il vient de chez Biss aussi, la gamme LOL. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, il se présente comme ça. Voilà. Ensuite, il y a ceux-là que je vous avais montré déjà, les trois de chez Biss, de la gamme LOL. Ensuite, les nouveautés, il y a ces trois-là qui viennent de chez LOL. Voilà, le rose. Et celui-là qui est un peu vraiment pailleté. Voilà. Ensuite, ceux-là, vous les connaissez, c'est ceux qui viennent de chez Amazon. Ceux-là qui viennent de chez LOL, je vous avais montré déjà la dernière fois. Ça, bon, c'est les crayons qui viennent de chez Amazon. Yves Rocher et de chez Biss. Ensuite, il y a les nouveaux. Donc, ceux-là, c'est des nouveaux qui viennent de chez LOL. Pour les 5, j'en ai eu pour 4 euros et quelques, un truc comme ça. C'est le seul prix que je me souvienne.
Voilà, donc il marque bien. Si vous voulez, je vous fais un haul de ça. Voilà, donc en tout cas, c'est rangé comme ça. Là, il y a mon miroir qui s'allume. Voilà. Bon, là, c'est mes Beauty Blender et tout qui sont en salle. Ensuite, derrière, on a. En fait, cette fois-ci, j'ai fait deux pots. Si vous en venez, je n'avais fait que deux, un, qui étaient dans celui-là. Donc, du coup, là, j'ai séparé les grands. Il faudra que j'en achète parce que j'en ai pas assez. Donc, les grands, là, il y a les petits avec ça. Bon, ça, il faudra que je les remplisse d'ailleurs le coton. Ensuite, là, c'est tous les gloss. Donc, ça n'a pas changé. Ensuite, j'ai ma bougie. Mon squishy licorne. Dedans, en fait, j'ai mis tout ce qui était Beauty Blender, Roupette et tout. Ensuite, sur ça, donc là, vous avez le fond de teint mat, le fond de teint que je mets en ce moment, mais qui est presque vide. Celui-là, c'est mon fond de teint que je mettais avant, d'Olive Rocher, que je mets plus parce que ben, je suis tout orange à chaque fois. Ça, c'est le nouveau fond de teint. Ça, c'est le fond de teint de LOL. Après, j'ai la poudre matifiante et la poudre libre. Mon eau micellaire. Celui-là, dans celui-là, ben c'est l'eau normale pour mettre sur mes Beauty Blender pour les humidifier. Et celui-là, c'est l'eau micellaire quand je pars en week-end ou quoi. Donc, celui-là, il n'y a rien. Dans celui-là, j'ai mis tout ce qui est. Enfin, c'est les tas crayons. Normalement, je dois mettre des accessoires. J'ai pas mis. Là, j'ai un gloss. Un gloss, pardon, un rouge à lèvres. Je savais pas où le mettre. Et là, c'est un rouge à lèvres, je crois que j'avais fait fondre il y a longtemps. Ensuite, on passe à ce tiroir. Donc, dans celui-là, j'ai mis. Donc, mon astuce c'était l'orange couvert. Donc, j'ai mis orange couvert pour mieux. Ah oui, je me rappelle c'est quoi. Pour mieux séparer en fait. Donc, là, c'est tout ce qui est anti-cerne correcteur. Là, c'est tout ce qui est base. Là, c'est tout ce qui est contouring, highlighter. Là, c'est tout ce qui est blush. Voilà. Celui-là, c'est une nouveauté. Blush, crème blush palette que il n'y a pas longtemps j'ai reçu en même temps que les autres. C'est tout. Après, je crois que c'est là, vous savez tout ce que c'est. Voilà. Ce que j'ai reçu. Dans le deuxième tiroir, voilà, j'en ai mis un autre d'orange couvert. Donc là, c'est le fard à paupières qui est crème en hypoallergénique. Là, c'est tout ce qui est. Comment ça s'appelle? Feutre liner. Que je mets jamais puisque j'arrive jamais à les faire. Désolée. Voilà, j'ai mis comme ça. Là, c'est tout ce qui est. Comment ça s'appelle? Mascara. Là, tout ce qui est crème pour les yeux. Et là, c'est tout ce qui est sourcils en fait. C'est les nouveautés. Si vous voulez, je vous en parlerai. Donc là, c'est le mascara sourcil. Ça, c'est un effet tatou en fait. Bon, d'après dedans, j'ai mis un baume à lèvres parce qu'à ce qui paraît, le baume à lèvres sur les sourcils, ça les nourrit. Donc je le fais en ce moment. Sauf aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est le crayon à sourcils. Et ensuite, j'avais acheté le kit pour les sourcils. Donc le kit, c'est. Donc en gros vous avez la poudre qui a plusieurs teintes, si j'arrive à l'ouvrir, je vais essayer de l'ouvrir, hop, j'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, donc vous avez trois teintes, voilà, qui étaient vendues avec ce pinceau. Et là c'est j'ai mis l'envers normal. Et là, c'est différentes pochons en fait pour les sourcils. Voilà, pour bien que vous fassiez vos sourcils. Voilà. Ensuite, là, ça, je crois que je l'avais déjà montré. C'est pour les sourcils aussi. Et ça, c'est un nouveau aussi que j'ai acheté à Amazon. Attendez, je range tout ça. J'aime pas quand il y a mon bras. Donc, de ce côté, hop, vous avez. Désolée. Alors là, vous avez tout ce qui est. Enfin, vous avez le crayon. Hop. Acheté sur Amazon, pas cher. Et là, de ce côté, vous avez la brosse. Voilà. Donc, ça,
pour les sourcils, c'est vraiment pas cher sur Amazon et surtout sur Biss, parce que maintenant vous voyez que j'ai plus beaucoup de maquillage, parce qu'en fait du coup j'ai trié, j'en ai donné à ma mère, donc voilà. Celui-là, le pauvre, il est passé à la machine à laver. Je suis dégoûtée. Les deux autres pots que j'avais, ils sont passés à la machine à laver aussi, ils sont morts. Il ne reste plus que celui-là. Il faudra que j'en achète. Donc voilà, donc moi, tous les maquillages, ils vont, je vais les acheter sur Biss parce qu'ils sont pas chers et bonne qualité. Donc voilà. Depuis que je me maquille avec ceux de Biss, comment vous dire, je n'ai plus de boutons. Enfin, j'en ai presque moins. Ça me fait moins de boutons du moins. Donc voilà, ça me tue pas beaucoup la peau. Donc voilà. Ensuite là, j'ai mis mes trucs licorne. Oui, j'ai déménagé, donc du coup je les ai mis là. J'ai mis aussi ma guirlande lumineuse. J'ai mis mon chapelet. Hop, j'arrive plus à le trouver. J'ai mis mon chapelet, voilà. Ma guirlande lumineuse a fait tout le tour. Tout le tour. Voilà. Et quand même, perso, je préfère cette coiffeuse là que celle que j'avais avant. Ceux qui la connaissent, la vidéo d'avant. Voilà. Bon les amis, ben, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, mettez des likes. Et ben voilà. La prochaine vidéo que je vais faire normalement, ça sera Siri contrôle mon make-up. Donc vous allez voir, c'en est une autre façon. Donc voilà les amis. Ben, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous.